Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec une joie immense pour une vidéo donc ouverture de colis. Alors si tu te poses la question, qu'est-ce que je fais avec tous les badges Pokémon de la saison 1, eh ben je t'invite tout simplement à voir une vidéo qui sortira soit le 3, le 4 ou le 5 août. Voilà, je sais pas non plus quand cette vidéo sort, c'est pour ça que je dis ça et je viens de la filmer avant. Toujours est-il, je te retrouve donc avec une joie immense, aussi grande, plus grande que la terre, aussi grande que le, on va dire que le soleil, parce qu'en fait cette fille là c'est mon petit soleil à moi. On parle donc de Coralie alias mon petit chat, enfin ça c'est mon petit chat à moi, hein, pas touche, c'est mon chat à moi, pas aux autres, à moi. Donc Coralie qui est donc la youtubeuse de la chaîne Mon Paralier Ivresse. Je pense que tu entends plus que souvent parler d'elle sur cette chaîne, car rien que par exemple pour Noël je lui ai envoyé un colis où elle a ouvert une vidéo, et j'ai ouvert un colis où elle s'est vengée. Clairement c'était la vengeance totale. J'en ai pleuré. Lien en i et en barre d'infos si tu ne l'as pas encore vu. Et donc là on est clairement sur un colis, je suppose pour mon anniversaire, vu la date à laquelle elle envoie ce colis. Et on est clairement dans l'abus. Alors par contre il y a eu ça comme souci. Quand j'ai vu ça, j'étais dégoûtée. Et voilà, on est clairement dans l'abus. Hein. Toujours plus gros avec elle. Toujours plus gros. C'est que, si tu veux, en fait, par curiosité, comme le carton était défoncé d'un côté, j'ai pu glisser ma main et j'ai touché, j'avais touché hein, le ruban du sac. Alors, on a une magnifique lettre. Alors déjà, on a une petite sticker de fraise avec un petit cerf. Bon, il y a de l'anglais, je ferai traduire. Voilà, je trouve ça trop mignon. Alors, est-ce que je vais arriver à ne pas tuer la fraise? Oui! Une petite lettre. Alors, c'est ça que j'aime chez elle, c'est qu'elle va aller jusqu'à te faire elle-même le détail de sa lettre. Elle te le personnalise, un truc de dingue. Youp! Voilà, regarde, elle a même mis un petit, une petite créature, là, je sais plus comment ça s'appelle. Mogland, si je dis pas de bêtises au niveau de la prononciation. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est les lettres, tu vois, le genre de lettres qu'elle te fait. Cette fille est géniale. Et en plus, avec une écriture, regarde-moi ce « Hey, Ibiki ». Voilà. Alors, petite surprise pour ton anniversaire. Désolée pour le retard. On s'en fout du retard. Mais je te souhaite quand même, j'espère que cela te fera plaisir, rien que là déjà je suis sur le point de pleurer, tout va bien. Plaisir, j'ai mis quelques de la Japan Expo, vu que je sais que tu n'y es pas allée, je te fais de gros bisous, Coralie. Et regarde-moi ça, regarde-moi le détail de cette carte, de cette lettre. L'envoi s'écrit avec amour, que c'est fait avec amour, on sent... Franchement, moi, avec les lettres comme ça de Coralie, on sent directement l'amour de la personne parce qu'elle l'a détaillé, elle l'a fait elle-même. Et voilà, bon, je dis pas hein, que les cartes ou c'est juste une carte que tu as achetée en grande. Moi, personnellement, quand j'envoie pour les anniversaires d'amitié avec ma meilleure amie, je choisis une carte, tu sais, genre la carte que tu achètes où il y a écrit bon anniversaire avec un animal ou un truc comme ça. Mais je la choisis avec amour. Et voilà. Mais alors là, en fait, tu te prends une vague d'amour dans ce genre de situation, mais un truc de fou. Voilà, toujours est-il. Oui, je sais, je suis restée 2 ans sur une lettre. Est-ce que tu veux que je te dise? Alors, je pose ça sur des trucs, il ne faudrait pas poser sur des trucs, mais bon. On a un magnifique sac avec, c'est quoi? Un oiseau? Ouais, un oiseau. Il est trop mignon. En plus, j'adore ce rose. Bon, c'est le rose de ma chambre, hein, donc tout le monde sait, j'aime ce rose, mais... mignon, voilà. Ensuite, hop, des stickers. Alors, il s'est décollé celui-là. Des stickers forêt, voilà. Je sais pas d'où il sort. On a ceci et je ne sais pas ce que. Ah, si, d'accord. C'est un arbre en papier, en espèce de papier, et en fait, il faut le mouiller et ça devient, ça, voilà, il va fleurir. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc que j'avais déjà vu sur une vidéo et j'avais halluciné. Ah, ça a une odeur. Ah, ça sent trop bon. Et voilà, en fait, tu peux... il est... voilà, hop. Tadam. J'essaierai de le faire, mais je vais voir si je peux arriver à filmer en même temps. Et voilà, je trouve ça trop marrant. Ensuite... Ah,
tu viens de comprendre, on a un gros set de papeterie et en fait sur cette ligne là tu vois il manque un truc, c'est celui qui était donc tout à l'heure. Alors, on a des petits stickers, oh ils sont trop mignons, regarde-moi ça, je crois qu'il va falloir que je fasse des passe-tables. On a des expressions du visage, on a des trucs transparents, on a des petits bonhommes un petit peu comme la fille qu'elle a mis tout à l'heure. On a des pochoirs. Voilà, je sais pas si on verra, si on voit. On a des pochoirs marins. Ok. Voilà. Pour faire des jolis bijoux. Bon, moi je suis passée en mode agenda, mais je vais le décorer quand même, donc... Voilà. Ensuite, ouh, j'adore cette page. Ouais, j'adore cette page. Voilà. Violet, je sais pas. La couleur lavande, comme ça. La lavande, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. J'adore l'odeur. Donc voilà. Il y a des fourmis purées dans les pieds depuis tout à l'heure. Pouh. Bon, je suis désolée au niveau peut-être de la position qui paraît peut-être bancale, mais j'ai fourmis dans le pied. Donc on est sur des magnifiques stickers de Noël. Voilà, avec un petit trombone en forme de nuage qui va finir dans... Voilà, qui va finir dans mon... J'ai un petit sachet en fait avec des petits trucs comme ça qu'on donnait tous mes abonnés, des collègues youtubeurs et tout ça. Et qui me sert en fait de gris-gris, de porte-bonheur. Youp. Ça ressemble plus à rien autour de moi, hein, clairement. Ensuite, je viens d'apercevoir un truc, je suis obligée de le prendre, je suis désolée. Je t'aime, mais alors... Je pense que tu as compris. Moi, j'avais pris la même chose il y a quelques temps, justement, avec des oreilles de chat. Oh putain, c'est la vie. Être un panda, c'est la vie. Ah, mais j'ai pas de fond de teint en haut. Parce que la petite astuce, c'est quand je mets un truc comme ça, tu vois. Il n'y a pas de fond de teint. Alors oui, j'ai pris des coups de soleil. Il n'y a pas de fond de teint. Il y a des fond de teint jusque-là. Hop là. Oh. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Je vais pouvoir me faire des masques de beauté avec ça, ça va être génial. Et en plus, le pire du pire, c'est qu'elle ne sait pas, mais que je lui réserve un petit truc et il va falloir qu'on ait tous les deux ça. Je dis ça, je dis rien. Je ne vous en dis pas plus parce que pour l'instant, c'est un mode projet. Hop. Voilà, que je ressemble un minimum à quelque chose quand même pendant la vidéo. Ça, donc ça vraiment, c'est la vie. Et je sais pas si tu auras déjà vu du coup, parce que je ne sais pas du tout quand ces deux vidéos vont être postées, cette ouverture de colis et l'autre. Mais dans l'autre colis aussi, il y a eu un truc de panda. Je dis ça, je ne dis rien. Mais voilà. Donc je suis trop happy et j'espère donc pouvoir arriver à faire le fameux projet où je te dis où il faudrait que j'ai ça et que ma petite Coralie ait le sien avec des oreilles de chat. Donc ça, on l'a déjà fait. Je vois des posters. On n'ira pas deviner ce que c'est. Peut-être Akata. Tout le monde sait que j'aime Akata, donc je me dis que ça peut être ça. Donc j'ai aperçu, ce sont bien les posters de Akata, mais je pense à une abonnée qui est, que j'ai déjà vue d'ailleurs en vrai. Ne t'inquiète pas pour les posters, ça ne me dérange pas du tout de les avoir en dos. Voilà, que tu ne dises pas, oh merde, j'ai fait ça pour rien. Non, mon Dieu. Voilà, c'est nuance entre nous. Ensuite, oh génial, il y a... prisonnier. Mais d'abord, tant que nous serons ensemble, c'est ça, tant que nous serons ensemble, qui va pas tarder à sortir. Non, je crois pas qu'il soit sorti, mais qui va pas tarder. Et ce manga me fait de l'œil, mais à une puissance dingue. Prisonnier Riku, que j'ai déjà commencé à lire, j'ai lu les deux premiers tomes, donc si tu veux mon avis, c'est sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, et ça j'ai hâte que ça se termine, ça va pas se terminer dans très très longtemps et j'ai très 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 hâte. Et ensuite, c'est quoi ah oui, Pony Boy. Voilà, oh là 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 là. En plus, c'est bien, c'est qu'ils sont tout roulés, ils ont pas du tout été abîmés, il n'y a pas de pliure, il n'y a rien, c'est la perfection. Voilà, je viens d'apercevoir un truc, j'ose pas vérifier en fait. Voilà, alors. On a ceci. Ah, je pense que c'est le marque-page cul de Shiba. Je pense que ce sont les fameux marque-page cul de Shiba. Ah, ça, si c'est ça. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a écrit. Parce qu'en plus, c'est... Ah, pardon, c'est dans le mauvais sens.
C'est que des kanji, donc je ne sais pas encore les lire. Déjà, je connais à peine déjà tous les kanas, alors ne me demandez pas les kanji. Et donc, c'est un marque-page où tu mets le cul du chien. Je te montre avec... Voilà. T'as un cul de chien qui dépasse. Et c'est un Shiba, donc... Ou un... Oui, si, c'est Shiba. Oh, peut-être renard, remarque. On marque les renards aussi, j'aime ça. Donc, de toute façon, si c'est roux, ça passe. Ça passe crème. Donc ensuite, une flopée d'extraits de marque-pages de tout genre. Alors tant que nous serons ensemble, donc du coup des éditions Akata. Running Girl qui a aussi des éditions Akata et que je vais absolument lire. On a un extrait de Jagan. Ça me dérange pas, j'ai sûr qu'il fait le manga et j'aime bien avoir justement les extraits d'un, comme ça d'un manga. Ensuite, ah oui, Beastar parce qu'elle surkiffe la série. Ensuite, on a Honey Boy, My Fairy Honey Boy, pardon. Voilà. On continue avec un extrait, un double extrait en fait, de deux côtés, t'as deux choses différentes. C'est pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie, des éditions Agatha. Et de l'autre côté, on a celle qu'il n'est pas, qui est aussi des éditions Agatha. Ce sont des light novels, donc en fait, ce sont des romans. Et il faut savoir que ce sont deux romans que j'envisageais de lire, donc c'est parfait. Je te retrouve donc après une petite coupure. Plus de carte mémoire, trop chaud parce que je fume encore un jour de canicule et j'ai voulu déplacer deux des badges pour que tu puisses un peu mieux les voir. Si moi j'ai un bandeau là en bas, donc je suis pas sûre que tu vois tout. Mais voilà, ouais, hop, ça sera un peu mieux. On va donc continuer côté extrait. On a d'abord Gigante, je sais plus trop comment ça se prononce. Qui est un manga donc du coup des éditions Kihun, c'est un seinen qui me faisait l'œil depuis un petit moment. Et en plus, Ami Dragmar en a déjà parlé, donc il m'intéresse encore plus. Voilà. On a la malédiction de Loki des éditions Delcourt-on Cam, qui est un manga aussi qui me fait de l'œil. Il sortira le 4 septembre. On a un extrait livré. Ah non, d'accord. On a donc un extrait de The Promised Neverland, même si je l'ai déjà lu, ça, vu que j'ai déjà lu le tome 1. Mais je vais le garder parce que j'aime bien voir les extraits des fois des séries que j'ai surkiffées, comme par exemple, j'ai toujours l'extrait du manga Après la pluie, alors que bah, j'ai déjà lu Après la pluie et tout ça. Ensuite, on a quelques... Donc le marque-page, je crois que celui-là, je l'ai déjà montré. On a un marque-page de celle que je suis. Il est magnifique. Voilà. Et on a à l'arrière la pub un peu, donc chef d'œuvre de manga LGBT, série en 2 tomes, transidentité, romance et société. Et je l'ai déjà présenté, donc je t'invite à aller voir la présentation. Et 2 autocollants que j'avais aussi eu lors du festival de la BD en Angoulême. Donc là, du manga Magical Girl Site et de le logo What the Fuck des éditions Akata. Ensuite, en notre cadeau, j'ai ceci, c'est un collier avec une lune à l'envers, donc je crois que ça a un rapport avec la magie, je pense. Voilà, enfin, un petit collier avec une lune. Je vais pas le porter là maintenant parce que bon, mais je le porterai lors de ma prochaine vidéo. Enfin, pas aujourd'hui parce que je suis en noir. Voilà, hein, donc on se clair. Et on va donc terminer par 2 objets. Alors, moi je les ai vus dans ce sens là, donc j'en sais pas plus. Mais là, je pense qu'on a des stickers et là, je pense que ça va être des cartes comme celles que j'ai achetées avec les chanteurs de K-pop. Voilà, sans avoir vu. Donc on est sur des petits post-it de panda, voilà, qui sont trop mignons. Ça, j'adore ce genre de post-it pour soit quand j'écris un manga pour séparer chaque volume, soit quand actuellement je suis en mode sur les livres de voyage, les cahiers de voyage, pour justement me mettre que là, telle page, il y a un truc qui m'intéresse, etc. Mais vu que c'est des pandas, pas question de les utiliser. Pas question, ça va dans ma collection d'objets panda. Et ensuite, j'avais raison. Je vois Lei des EXO. C'est pas elle qui m'a demandé ma liste de chanteurs. C'est une autre personne qui m'a demandé ma liste de chanteurs préférés. Et là, je commence un petit peu à baliser. Ouh, il y a toutes les tailles. Ah, d'accord, c'est des trucs qu'elle a imprimés elle-même. Elle fait aussi pour ses bujo. Donc, j'ai une magnifique photo de Lei. D'ailleurs, je l'ai sur mon téléphone. Oh, mon tchoumine. Ah, c'est une vraie carte, celle-là. Oh, mon hérisson, il est trop mignon, avec les cheveux bleus. Un peu juste sur la tête. C'est une. Oh, j'ai rien dit. Hein. Voilà. Oh, mon bébé, mon hérisson. Oh, mon hérisson, encore, encore. Ah, que du hérisson. C'est la vie, ça c'est la vie. Mon petit hérisson, voilà. C'est à cause de cette coiffure-là que je l'ai surnommé le hérisson. Chou. Voilà.
ça, elle a dû avoir, je pense, avec l'album. C'est quoi, Tempo? Non, pas Tempo. Si, Tempo, je crois. Je sais plus le nom de l'album. Voilà. Attaque. Là, l'attaque violente. On a une image de Léo, d'Evix. Et on a deux images de Taeyong. Young, je sais plus, de NCT 127. Donc en gros, comment te dire, Léo sur 40 chanteurs hein, de plusieurs groupes sur 150 mecs au total. Léo, enfin non, mes chanteurs à moi, il y en a 40 actuellement. Léo est le numéro 1, il est classé en tant que dieu. Celui-ci, c'est le demi-dieu, hein, c'est juste parce que en fait, je peux pas les mettre à égalité. Chumin d'EXO, c'est genre juste le quatrième, voilà. Bon, Lay, on n'en parle pas de Lay, hein. Il est un peu mal classé, hein. Mais je l'adore quand même. Ouais. Et puis Seon, du coup, si Chumin est 4, donc Seon est 5e. Et en EXO, donc du coup, Chumin est premier et Seon donc est deuxième. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plus que plu. Moi, après les vidéos, comme ça, c'est pas trop top. Mais sinon, en soi, j'ai adoré cette vidéo. N'hésite pas à me dire du coup quel est l'objet que tu as préféré. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve en décembre pour te parler. Et surtout, je t'invite à suivre sa chaîne parce qu'en décembre, elle va avoir un de ses colis. Je le prépare quand même depuis décembre l'an dernier. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bye bye!